Oui, un être humain ne peut pas survivre s'il n'a pas d'activité physique. Il a été conçu comme ça. Ses muscles s'atrophient, ses cellules ne fonctionnent plus bien s'il n'a pas d'activité physique. Donc, quand il a une activité physique, monter des escaliers, c'est tout simple, marcher, faire du sport s'il aime ça, eh bien, il va à ce moment-là utiliser un peu plus de nutriments. Et en particulier, dans l'exercice physique, il va utiliser beaucoup de glucides. Alors, pourquoi il va utiliser les glucides? Parce que c'est une source d'énergie immédiatement disponible et qui va permettre aux muscles de fonctionner et au cerveau de commander. Après, il va utiliser d'autres nutriments, les lipides par exemple, au bout d'un certain temps, et il va aussi consommer un peu de protéines. Mais on peut dire que les glucides restent au centre même de la préoccupation de l'organisme pour survivre et pour fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle, dans les recommandations, on se retrouve quand même entre 50 et 55% de l'apport énergétique total, ce qui est énorme. Si vous mangez 2000 calories par jour, vous avez plus de 1000 calories qui sont uniquement apportées par les glucides.